En 1950, dans un petit village de Picardie, Louis s'efforce de rendre meilleur le quotidien de son ami Édouard, qui est en situation de handicap. En lui lisant un livre, ce qui parfois le mène à rêver d'une vie meilleure. 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 Projeté en 2019, dans sa région renommée Hauts-de-France, il rencontre la fée artificielle, dotée d'une intelligence particulière, qui lui montre comment, des années plus tard, elle va chercher des solutions aux problèmes complexes et aux actes difficiles pour l'être humain. Guy de ne pas avoir peur d'elle, qu'elle existe pour accompagner l'homme dans son évolution et qu'il reste le facteur le plus important. Le plus important. Elle intervient dans tous les domaines, le transport, la finance, l'assistance personnelle, l'industrie, l'environnement, la défense et la santé. Et crée également de nouveaux métiers comme le développeur informatique, le chef de projet web, l'ingénieur ou le chercheur, et bien d'autres métiers encore qui verront le jour grâce à son évolution. Pour illustrer ceci, elle lui montre des images de personnes découvrant le Faubourg numérique, qui est un incubateur de projets innovants du secteur des services et des objets connectés. Et des objets connectés. Et des objets connectés. Et des objets connectés. Des start-up comme Influvisio et son système d'amélioration de la cristallisation de sucre, un jeune Yotemaker et son système anti-déchets pour les cantines scolaires, ou encore les ruches connectées d'Ostabi. Il découvre alors que le progrès amènera à un fauteuil électrique qui permettra de franchir des obstacles ou de monter des escaliers sans le moindre effort. Retour en 1950 pour Édouard, qui se réveille, sourire aux lèvres et plein d'espoir. Et plein d'espoir.